Bonsoir, bonsoir. Donc, je vous fais une vidéo partenariat. Donc, j'ai été contactée par la société Pandahol Selected.com, donc, qui est située aux États-Unis. Donc, j'ai été contactée et on m'a proposé un partenariat, donc, que j'ai accepté. J'ai reçu donc l'enveloppe, je l'ai reçue fin de semaine dernière, donc je sais, je suis en retard dans mes vidéos, je suis vraiment désolée. Ça, je dis ça, c'est pour, voilà, parce que j'avais envie de le dire. Donc, on va regarder ensemble ce que j'ai choisi dans la boutique Pandahol Selected.com. Donc, je mets ça comme ça. Donc j'ai pris des choses différentes. Tout d'abord, je vais ouvrir. Alors j'ai une boîte comme ceci. Donc ce sont des coins bronze, couleur bronze. Des coins couleur bronze. Donc je vais ouvrir, ouvrir. Hop, je prends mon cutter. Je vais ouvrir là, ici. Bah ouais, hein, faut ouvrir. Je vais ouvrir. Ouvrez, ouvrez la boîte, s'il vous plaît. Regardez les s'envoler. Ah non, ça s'envole pas. Hein. Donc ensuite, là, normalement, je devrais arriver à le coulisser. Si je peux pas coulisser, je vais être obligé de couper. Ouais, ben je vais décoller parce que ça veut pas se coulisser. J'ai deux mains gauches aujourd'hui ou quoi? Ouais, j'arrive pas à l'enlever. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Donc c'est une boîte avec des coins. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être vous basculer. Je vais vous basculer sur mes mains, ça sera peut-être mieux pour voir. Hop, je vous rapproche. Là. Oula. Non, pas basculer comme ça, Hélène. Comme ça. Hop là. Donc. Dans la boîte, alors c'est bien parce que c'est bien emballé, c'est emballé dans un sachet zippé, c'est mis dans la boîte, c'était mis comme ça dans la boîte. Par-dessus la boîte, il y avait donc ce papier là que j'ai coupé ici pour pouvoir l'enlever, et il y avait donc un papier d'emballage en plus. Donc déjà c'est bien parce qu'il y a une boîte, donc je vais pas avoir de problème pour les trouver. Donc voilà, je les ai tous sortis, les coins. Donc il y a des gros coins. Il y en a 4 fois celui-là. 4 fois celui-ci. 4 fois celui-ci un peu plus petit. 4 fois celui-là. Il y en a 4 comme ça. Il y en a 4 comme celui-là. Ça, je l'ai fait. Dans les petits, il y a 4 comme ça. 4 comme celui-là. 4 comme celui-ci, 4 comme celui-ci, 4 comme celui-là, 4 comme celui-là, 4 comme celui-là, j'ai pas dû vous le faire voir. Par contre, il n'y en a que 3. J'en ai trouvé que 3. Comme celui-là.
Il n'y en a que trois. Et là, il n'y en a que trois des petits comme ça. Alors, des fois, il y en a qui sont dans les grands. Mais là, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il y en a de coincés dedans. Dans les grands, ça aurait pu se faire. Ah, si, en voilà un. Donc voilà le quatrième. Autant pour moi, le quatrième était dans celui-là. Allez, faut y faire attention. Mais je crois que le tout lisse normal, il doit pas en avoir 4. Ouais, celui-ci, j'en ai trouvé que 3. Alors, je vais vous faire voir celui-ci. Tout ordinaire comme ça, j'en ai trouvé que 3. Donc bon, c'est des choses qui arrivent. Je regarde quand même une deuxième fois. Patapouf, ça tombe. Parce que des fois qu'il serait coincé dans un des grands. Mais non. Non, non. Donc il en manque un. Bon, après, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça, c'est pour mettre au coin de mes albums. Donc je pensais, quand j'ai regardé sur la description et tout ça, je pensais avoir un lot que de celui-là, par exemple. Et en fait, c'est un mélange. C'est pas grave, hein. Comme ça, au moins, suivant l'épaisseur de la couverture, on peut mettre soit du gros, soit du petit. On peut mettre ce qu'on veut. Donc je ramasse. Je ramasse. Donc ça vient de la boutique pandalhallselected.com qui est basée aux États-Unis. Donc j'ai pris aussi une petite boîte comme ça. Alors j'ai enlevé le voilà qui était autour, le petit papier. Donc ça, c'est pour les bijoux. Alors, j'ai des ronds comme ceci. Donc après, il va falloir que je sache comment on s'en sert. Un rond comme ceci, avec la petite, une petite bouclette, enfin, un petit anneau plutôt là. J'ai des sortes de petits ronds comme ça. Donc c'est pareil, hein, je sais pas du tout comment ça va m'en servir. Ça, je connais, c'est pour les rubans, pour accrocher les rubans. Peut-être qu'il faut que je vous les fasse voir un peu mieux quand même, parce que là je vais voir comme ça. Oups. Donc c'est avec des griffes comme ça. Et ça permet d'accrocher le ruban et puis après on peut mettre une petite boucle. Ça, c'est pour les mettre des petits rubans. Là, ben, je vais peut-être vous en sortir une quand même. On n'est pas pressé, on n'est pas à la minute. Donc là, ça fait comme une perle. Et il y a un petit anneau. Voilà. Là, c'est un peu comme une perle, mais il n'y a pas d'anneau. Essayez de vous en faire voir une correctement. Comme ceci. Vous voyez, il y a le trou. Et c'est ça. Ça, c'est ça. Donc je pense qu'après on doit resserrer sur le cordon, c'est pour faire un arrêt au bout du cordon, je pense. Je sais pas, faudra que j'essaye.
Voilà. Donc il y a aussi ces choses-là. J'essaie d'en sortir un. Donc ces choses-là, bon, c'est pareil, je sais pas m'en servir. Il faudra que j'essaye de voir s'il y a une vidéo pour savoir comment qu'on fait. Je pense qu'on peut mettre un cordon à l'intérieur. On peut passer le cordon à l'intérieur, je pense. Que je vois ça. Alors dans le sachet il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10, c'est ça. Dans sa, chaque sachet il doit y avoir à peu près 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, il y a 10 de chaque. Là, c'est un peu le même principe que la grosse perle avec son petit anneau, sauf que c'est plus petit. Alors, est-ce qu'Hélène va arriver à ouvrir le sachet? Ouvrez, ouvrez la cage au sachet. Regardez-les s'envoler, c'est fait. Donc là, c'est une petite perle avec deux anneaux. Petite perle métallique avec deux anneaux. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un entre-deux. Entre-deux, entre nous. Donc il y en a une dizaine. Il y a ceci aussi. Alors là, ça, comment ça s'utilise, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça va s'utiliser. Je sais pas, c'est un petit cône comme ça avec l'anneau au bout, mais alors comment ça s'utilise, s'il y en a qui ont déjà eu ça, si vous pouvez me dire comment on l'utilise, si c'est juste peut-être que c'est juste un je sais pas quoi. Donc il y en a 10 pareil. Et là, c'est le même que les grandes, sauf que c'est plus petit. Donc je pense que ça doit être pour passer le ruban. Parce que c'est des choses comme ça que je voulais au départ. Et bon, j'ai certainement mal lu la description, parce que je pensais que dans la boîte, il y aurait que des choses comme ça. Et en fait, ils ont mis plein de petites choses différentes. Donc là, je pense qu'on peut mettre le ruban. Il y a un côté qui est ouvert, l'autre côté qui est fermé. Donc on doit pouvoir mettre son ruban. Ou, oh bah je suis trop haute. Et je fais pas attention à ce que je fais ce matin. Donc là. Parce que là il y a le trou, il y a le petit couvercle. On peut resserrer ici. Je vois qu'il y a la fente, donc je pense qu'on peut resserrer. À voir comment on l'utilise. Donc j'ai pris ça. Je vais remettre dans la boîte. Alors c'est bien parce qu'il y a une petite boîte à chaque fois. C'est vraiment bien emballé hein, chez pandaallselected.com. Il y avait un plastique par-dessus, puis il y avait ça. Ça, puis le plastique. Donc c'est vraiment bien. Et puis en dies, donc je me suis pris des dies. Alors, je me souvenais plus trop ce que c'était, mais là, ça y est, j'ai reconnu. C'est une baleine. Donc, je vous ferai les découpes dans une prochaine vidéo. Ça, c'est une baleine avec des coquillages dessus. Et il y a un feuillage ici, une feuille ici, et puis une petite fleur.
Et là, tout l'ensemble, c'est la baleine. Je la trouvais trop mignonne. Par contre, sur la photo que j'ai vue sur le site, je la pensais beaucoup plus grande. Donc c'est sympa parce qu'elle est moins grande que je croyais. Au départ, je me suis dit, bah, elle paraît grande et tout, et en fin de compte, elle est pas... Elle fait combien? Elle est où, ma règle? Et elle est moins grande que je croyais. Donc c'est aussi bien. Parce que des fois, les grandes choses... Là, de la tête de la baleine jusqu'à la queue, elle fait 7,5. Il y a un petit feuillage là qui fait à peine 3 cm là, quand, si on va du bout là à la pointe là-bas, ça fait 2,7 quoi. Il y a une petite feuille ici. La petite feuille a fait 1,9. Puis là, la petite fleur, elle a fait 1,7. D'un pétale à l'autre, là, ça fait 1,78. Ouais. Et tout ça, c'est la baleine. Donc j'ai pris ça. Et puis j'ai pris ça parce que j'avais pas de dyes grenouille. Là, le nénuphar, je l'avais déjà, mais c'est pas un problème. C'est pas grave. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 grenouilles. Il y a les petites étoiles. La lune. Un nénuphar. Là, bon, je sais pas trop ce que ça représente. Peut-être des choses qui se mettent au bout des branches, là. Parce que là, il y a comme un... C'est pas un arbre, mais... je sais pas trop... comment on appelle ça. C'est, vous savez, dans les étangs où il y a des fois... C'est peut-être des joncs. Tête des joncs, et puis ça, la tête des joncs. La tête des joncs. Donc voilà, ça c'était pour mon partenariat. Je me remets devant vous. Si elle veut bien, hop là. Oh, elle est pas assez haute, hop là. je repousse. Donc voilà mon partenariat avec pantaholeselected.com, donc aux États-Unis. Donc j'ai plus qu'à faire des créations, bah oui. bah oui. Donc je vais vous laisser, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de scrap bisous et à très bientôt. Alors je sais pas si c'est ma caméra qui est floue ou si c'est mes yeux qui voient flou. Bon, allez, je vous dis à bientôt. Scrap bisous les copains, les copines, à bientôt.